Yo les gens, ici Rafi 7750, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo Sport. Donc c'est parti, mode campagne GT League, on continue notre petite ligue pilote amateur. Donc on va faire la GRB Rally Car, donc quatrième effet c'est pour cette vidéo. À chaque fois j'arrive jamais de premier, je suis tout le temps deuxième, j'arrive pas à la faire. Donc je sais pas ce qui se passe, c'est moi qui est pas en forme ou c'est la voiture qui est la première qui est trop puissante. Et bah voilà, bon, je prends la GRT, je sais pas quoi le prendre, ça me saoule, ça m'énerve. Ça me gave, on va dire. Je vais prendre celle-là, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais prendre ce véhicule-là. Donc la première, à chaque fois, qui me gêne, c'est là. Ah bah, il n'y est pas, là. Ah, il n'y est pas. Ah, là, je peux peut-être gagner cette course. C'est la Audi Quattro. Donc là, il n'y est pas, peut-être que je peux gagner, peut-être. Ah, elle est en dernière position, je crois, non? Elle n'est pas dans les dernières. Non, il n'y est pas. Oui, elle est là. Sport Quattro S1. Mais là, elle est pas dans les premières. Donc, j'ai peut-être une chance de gagner cette course. Ce serait pas mal. Du coup, je vais faire ça. Hop, hop. Je vais faire réglage. Par contre, juste régler un petit truc. Juste ça. Ouais, régler ça. Et je vais mettre 270 à la place. 260, hop. Hop, c'est parti. On va essayer cette course cette fois-ci. Est-ce que je vais la remporter? Enfin, parce que là... Donc petit véhicule avec un skin que j'avais pré-téléchargé avant. Donc moi je voulais juste vous parler, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pendant que je joue là. Donc moi je suis revenu vendredi, on est parti lundi dernier. On est revenu vendredi sauf que on est parti 4 jours. Donc on est arrivé le lundi, on est resté mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 4 jours sur place entier. Donc ça s'est bien passé à part le temps quoi. On a eu en plus le camping n'était pas. Voilà, comme je suis un peu déçu. C'est mes parents qui avaient réservé. Hein. En plus ils ont réservé au dernier moment. Donc on était un peu dégoûté. Parce qu'ils ont réservé le camping mais au dernier moment. Donc c'était pas vraiment le camping haut de gamme, on va dire. C'était un 3 étoiles. Mais il avait quand même le mérite d'avoir une piscine. C'était pas mal. On y était deux fois à la piscine. Il n'y a pas été des masses, on y était que deux fois. Sur 4 jours, bah, c'est déjà bien, pas mal. Et le temps ne se prêtait pas aussi. Je dis, souvent le soir, il faisait beau le soir, quoi. À partir de 20h qu'on mangeait, quoi. Là, il faisait beau là-bas, quoi. J'étais un peu écœuré, quoi. La journée avait du temps pourri. Et bah, pendant le soir, bah, à chaque fois, on avait toujours un super beau temps. J'étais un peu écœuré, moi, quand même. Donc, si vous avez passé de bonnes vacances, bah, dites-moi dans l'espace commentaire. Et où vous êtes parti. Donc nous, comme je vous ai dit à ma vidéo précédente sur Call of, donc on est parti à Vierville-sur-Mer, donc une des trois plages qui était à Trois-Villes, qui borne la plage Oama Beach du débarquement de 1944. Donc c'est une bonne ville, je trouve. C'était sympa, je pense que j'y retournerai. Mais on a vu un peu plus loin, il y avait des campings qui étaient un peu mieux, je trouve. Bah après c'est parce que mes parents ils sont vraiment renseignés au dernier moment donc du coup on n'a pas pu vraiment ils ont pris ce qu'ils ont trouvé quoi, c'est tout quoi. Donc j'espère que je vais la gagner cette course là parce que c'est 4 fois que je fais l'essai là. Là j'ai peut-être une chance parce que l'Audi est pas première. L'Audi bah, qui est derrière, que j'ai doublé tout à l'heure. Ah, je suis 4 secondes, ça va, c'est bien. 4 secondes au deuxième tour, c'est bien. Donc on verra bien si je vais gagner ou pas. Pas d'erreur de ma part, sinon je suis dans la merde. Je préfère vraiment prendre mon temps. Ah bah tu es là que c'est croûté. Vous voyez, même c'est-à-dire que l'ordi fait jamais. Et pas à l'abri d'une connerie. Donc là, je suis 4ème. Il me reste 4 tours à faire, donc je pense que normalement je pourrais être premier. Enfin, je veux dire. On va voir ça, si je peux gagner ou pas. Donc là, voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes parti, combien de temps et bah, quelle destination que vous êtes parti. Hein. Donc nous, du coup, comme on a eu du temps pourri, on a profité de faire tout ce qui est musée, pas pourri, je dis pas du temps pourri, mais moi, on a eu une journée de flotte, je crois.
Mais c'était vraiment grisé, quoi. C'était vraiment grisaille, quoi. Le soir, dans la journée, quoi. Donc on était un peu égoutté, quoi. Que là, quand vous voyez cette semaine, depuis lundi, nous, chez moi, en Normandie, il fait super beau. On a super beau temps. Je sais pas si ça doit être partout pareil, mais. Imagine, on serait parti une semaine plus tard, on aurait pu bien profiter et tout. La plage, on y a été deux fois, on y allait le soir parce que c'est le soir qu'il faisait beau, quoi. Du coup, on n'a pas pu profiter et faire la bronzette, quoi. J'ai même plus bronzé à acheter avant de partir en vacances, à aller chez mes beaux-parents qui habitent à 50 km de chez moi, parce qu'ils ont une cour, nous on habite en appart. J'ai plus bronzé à aller chez eux quand. En 4 jours, en vacances, quoi. Donc je suis un peu écœuré quand même. On va essayer de pas faire de conneries. Pour perdre la première place. Bon, ça va, pour l'instant ça se passe bien. On est premier en espérant que la place on la garde. Je sais pas c'est quoi la mise à jour. C'est peut-être une mise à jour qu'ils avaient dit sur iPhone 9 en début. Il va y avoir une mise à jour début septembre là. Oh non, je parle trop vite. Pour le championnat F1 2019, ce serait pas mal. C'est qui m'appelle? Attendez, je reçois un message. Ah merde, j'ai reçu un message, je sais même pas c'est qui. Ok. C'est ma mère qui m'envoie que ma copine récupère la petite demain parce qu'elle est partie une semaine chez mes parents, donc en vacances. Enfin, j'aurais pu la garder, hein, je travaillais pas encore. Parce que là, les gamins, les enfants, même les étudiants, il leur reste plus qu'une semaine de vacances, quoi. Peut-être pas ceux qui sont au lycée, je crois qu'ils reprennent au mois. Ils reprennent plus tard, je crois, au lycée. Allez, fonce! Rattrape-le! Pousse-toi, merde! Faut pousser, mec! Faut pas se pousser, le mec, hein! Oui, même si je fais un forcing, il reste dans sa trajectoire. J'ai voulu faire le forcing, mais là. J'ai fait le bourrin, on va dire. Bah là, je pense qu'il y aura prochainement une prochaine vidéo unboxing de Funko Pop parce que là j'attends l'arrivée à Micromania de la pop de Jiren et celle de Gotrunks Fantôme. J'attends qu'ils arrivent là pour les prendre. Tout ça je les achète grâce à vous hein, parce que je gagne des sous sur Utip et du coup ça me permet d'acheter mes pop. Donc je suis content. Là pareil, à YouTube, je suis arrivé à 32 €. Donc faut attendre 72 € pour pouvoir les récupérer. Mais je pense que ça va pouvoir me payer un jeu en fin d'année. Faire plaisir de me payer un petit jeu à fin d'année, au mois de décembre, je pense. Peut-être même avant décembre. Parce que là, j'ai eu le versement du mois de juillet. Pas versement, mais ils ont rajouté sur mon compte. Mon compte YouTube, le Google Access. Versement du mois de juillet, donc là, c'est le mois d'août. J'aurai en septembre, ce mois de septembre j'aurai en octobre et celui-là d'octobre j'aurai en novembre. Donc je pense que je pourrais tout me prendre Star Wars. J'avais précommandé Star Wars. Il se fallait. Peut-être que je pourrais me le prendre avec les sous de YouTube. Ce serait pas mal. Hein. Donc j'ai pas fini ma carrière de Défense 2019. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera prochainement. Je vais la continuer. Hein. Et peut-être une deuxième saison si ça vous intéresse. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal du coup. Là je suis pas mal occupé avec Crash Team Racing et puis Gran Turismo. Ce jeu là. Oh là là. Oh, c'est bon, j'ai de la chance. Oh, j'ai vraiment de la chance. Hein. Faut pas que je passe ça au dernier tour. Hein. Sinon je suis dans la merde. Oh non. Ah putain, je suis déconcentré. Là c'est foutu, je serai pas premier. Ils sont pas loin, hein, je peux les rattraper. Hein. Ils se collent aux fesses, les mecs. Ah, je joue vraiment comme de la merde. Je sais pas ce que j'ai depuis que je suis revenu de vacances. J'arrive plus à jouer au Gran Turismo, quoi.
Je te dis, ça fait mon cinquième essai que je fais pour gagner la course. C'est pas normal, ça. Allez, fonce. Bon, je peux peut-être gagner encore. Peut-être avoir de la chance, peut-être. Et franchement, je vous dis, j'ai pas de chance en ce moment. Que je peux peut-être avoir de la chance là. C'est moi qui freine trop, peut-être, je sais pas. Je prends peut-être pas assez de risques. Bon, ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire, peut-être. Allez, hop. On peut le passer, ce mec? Oui, on l'a passé. Ah non, il m'a redoublé. Putain, enfoiré. Allez, double. Double. Oui, ça le fait. Là, théoriquement, si on fait pas de conneries, on peut gagner la course. Putain. Ouais, c'était vraiment chaud jusqu'au bout, quoi. Ah putain. Pas de conneries de ma part, et ça serait le faire. Bon, j'ai quand même de l'avance. Une petite avance, mais sûrement. Ah oui, c'est bon. On gagne la course. Putain, vraiment, coup de chance, c'est coup de chance. Hein. Oh là là. J'ai enfin gagné la course. Enfin. Après 5 essais désastreux, j'ai gagné la course. Mouah. C'était chaud. Bon, j'ai gagné quand même 62 000 crédits, donc c'est pas mal. Ah, j'ai gagné... non, j'ai même pas gagné de plus, du coup. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si vous voulez, portez-vous bien. Peace. Let it go.